Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je partage avec vous comment je m'organise quand je veux recevoir les étrangers à la maison. Dans ce cas-ci, il s'agit de la réception de quelques membres de la famille. Nous devons recevoir 6 personnes. Donc, dans cette vidéo, je partage avec vous le ménage que je fais, la cuisine que je fais et un tout petit peu de l'ambiance familiale que nous avons. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si c'est le cas. N'hésitez pas également d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci. Quand nous devons recevoir des invités à la maison, que ce soit de ma famille ou de ma belle-famille, nous nous mettons tous ensemble pour que ce soit une réussite. Pour que nos étrangers, avant d'arriver, que tout soit prêt. Parce qu'il n'y a pas de petite réception. Même si c'est 3 personnes, ça demande qu'on s'y mette vraiment. Les jours où nous recevons les gens sont des jours assez spéciaux parce qu'en plus de notre quotidien qui est déjà chargé avec notre vie de famille, il faut encore ajouter les préparatifs pour recevoir les gens. Comme je le dis toujours, une journée réussie se prépare la veille. Du coup, à la veille, nous allons assaisonner si c'est le poulet, le poisson, découper la viande et les conserver pour que le lendemain, tout puisse aller très vite. Donc le matin de ce jour-là, dont mon mari et moi nous nous levons tôt, pendant que je branche la friteuse, je mets de l'huile à l'intérieur. Vous savez, j'aime beaucoup les fritures, du coup je reçois les gens avec les fritures. On ne reçoit les gens qu'avec ce qu'on aime. Pendant ce temps, l'huile est en train de découper tout ce qu'il y a à découper. On forme vraiment une équipe quoi, pour que tout soit bien, pour que tout se passe bien. Et comme ce sont les vacances, j'ai mon petit frère qui est là, il y a ma cousine aussi qui est là. Et puis après, vous allez voir, il y a mon autre frère qui va venir m'aider à aspirer. Il y a ma maman aussi qui va venir. L'occasion pour cette réception, j'ai acheté 5 litres d'huile. Vous imaginez un peu comment le porte-monnaie a souffert. L'huile est chère, en plus c'est rare. Ensuite, les enfants se sont réveillés. Ma fille aînée, elle a commencé à laver les assiettes qu'on avait utilisées la veille. Donc, vous constatez, tout le monde se met au travail. Tout le monde participe. Nous le faisons en équipe. C'est également des moments à partager avec les enfants, leur apprendre de l'effort, leur apprendre le travail en équipe, en famille. Après, je suis allée éplucher les pommes avec mon petit frère parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à éplucher. Et mon mari est resté dans la cuisine pour évoluer. Et j'ai donc laissé la caméra avec lui. Là, vous voyez, c'est lui qui est en train de faire tout ce que vous voyez. Pour cette réception, nous allons faire 2 repas principaux qui sont les pommes sautées, puis le riz avec une sauce hachée. Et on va hacher tout ce qu'il y a comme condiment et manger avec du poisson. À côté, donc, il y aura des frites de poisson, des frites de pommes, il y aura le poulet, il y aura les bâtons de manioc, il y aura une petite sauce condiment, il y aura le piment pour manger tout ça, et puis il y aura les jus et du vin. Pas grande chose, mais suffisant pour recevoir nos convives. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, mon petit frère aussi est arrivé avec l'aspirateur pour m'aider à aspirer. Ça faisait plus de moments déjà que je voulais qu'on aspire mon tapis, qu'on aspire bien la poussière à la maison. C'est pourquoi il est venu avec l'aspirateur pour bien aspirer. Il était tellement pressé
qu'il n'a même pas mangé. Mais au moins, il a aspiré le canapé, il a aspiré les coins avant de partir. Après, quand on va finir la cuisine, je vais remettre tout ça sur le plan de travail et venir mettre le salon ok et prêt à accueillir. Donc là, c'est ma mère qui est en train de faire les pommes derrière. Elle a fait un feu de charbon avec un mauvais charbon que j'ai acheté. Le charbon là a tellement menacé que franchement, ma maman c'est une personne acharnée. Quand elle commence quelque chose, elle ne laisse pas. Moi, ce jour à sa place, j'aurais porté la mamie là, aller poser sur la cuisinière et continuer à faire cuire les pommes là-bas. Mais elle est restée, trouver des astuces pour que le charbon la prenne, au point d'aller chercher même le bois et venir ajouter. Ma mère, quand elle commence quelque chose, non, elle va jusqu'à la fin. Elle ne lâche pas. La propreté, je l'ai appris de ma mère et de ma grand-mère aussi, mais la décoration, je l'ai appris de ma mère uniquement. Ma mère aime avoir son endroit joli, elle aime avoir son endroit beau. Mon petit frère étant parti sans terminer ce pourquoi il est venu, heureusement, il a laissé l'aspirateur. Je suis donc restée bien aspirer le salon, faire un petit nettoyage dans le salon avant que nos invités n'arrivent. Entre-temps, mon autre petit et ma cousine étaient à la cuisine, en train de mettre également l'ordre à la cuisine et classer tout ce qu'on avait cuisiné. Mon tapis est posé là juste parce que je reçois des gens. Sinon après, je vais enlever. Le tapis, c'est quelque chose qui garde beaucoup la saleté. Et quand on n'a pas un aspirateur, c'est difficile de l'avoir à la maison au quotidien pour les personnes qui y sont allergiques. Moi particulièrement, l'ORL m'a interdit de rester avec les tapis parce que ça garde la poussière et je fais de l'allergie. Donc je vais bien l'aspirer, je vais bien le nettoyer. Et profitez aussi pour bien nettoyer le sol parce que quand on a un aspirateur à la maison, il vaut mieux en profiter avant que le propriétaire ne vienne reprendre sa chose. Je vais enlever le couvre-canapé que j'avais mis parce que c'était déjà sale. Les enfants montent dessus, parfois ils essuient les mains dessus. On a l'impression que ma maison est toujours propre, mais franchement, une maison avec les enfants n'est jamais vraiment propre de fond en comble. Quand tu mets, l'enfant vient mettre la tâche. Tu mets le coussin, l'enfant vient verser de l'eau dessus. Après, ça fait le trait. Elle peut même venir verser le jus dessus, ça fait le trait. Et en attendant que tu retires pour laver, ça reste sale. Donc j'ai enlevé ce couvre-canapé là parce que ça avait déjà des taches.
Je profite donc de la présence de l'aspirateur pour bien aspirer mes plaintes. Du coup, ça m'a bien enlevé les saletés qui s'accumulent là-dessus. Et comme j'avais déjà fait plusieurs jours sans nettoyer mon salon parce que je suis grippée, je vais donc le faire là tout de suite, enlever toutes les poussières et tout bien reclasser. Et voilà, la maison est clean, prête à accueillir les gens. On se retrouve du côté salle à manger, on fait presque les mêmes choses. On commence par débarrasser. La base du ménage, c'est le rangement. Quand chaque chose est à sa place, on a déjà l'impression que la maison est propre et ordonnée. C'est en fait ça mon secret. On pense que ma maison est toujours propre parce que je fais l'effort que chaque chose soit à sa place, même si ce n'est pas nettoyé de fond en comble. Donc, après avoir donc débarrassé le côté salle à manger, je vais nettoyer et tout repositionner. J'ai donc terminé en aspirant. Cet aspirateur a deux modes, un mode pour les tapis et un autre mode pour les sols durs. Sur les sols durs, ça gratte. Les saletés qui résistent un peu sur le carreau, quand je passe dessus plusieurs fois, ça gratte et ça aspire. Et voilà, le salon est ok, tout est ok. Je peux maintenant aller vider l'aspirateur, le nettoyer, puis aller me laver pour accueillir mes étrangers. Je n'ai pas pu filmer la suite parce que quand je suis allée me laver, c'était on commençait à arriver et je ne pouvais plus vous filmer comment est-ce qu'on a finalement rangé les repas sur la table. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo vous a au moins apporté quelque chose. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.